Regardez, regardez, regardez ce jour, marquez ce jour, vraiment c'est la Nakba pour nous, c'est notre Nakba, voilà, la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Alors, le 10 décembre, retenez cette date, c'est vraiment la Nakba pour nous, incompréhensible, même si il y avait des échanges officieux, mais comme ça, de façon officielle, annoncer une normalisation avec l'entité sioniste. C'est un jour noir aujourd'hui, regardez. C'est un jour noir, voilà. Voilà la décision unilatérale entre le roi et l'entité sioniste. Je dis unilatérale parce qu'on ne nous a pas consultés, parce que les Marocains sont contre cette normalisation. Parce que évidemment, quand on impose quelque chose de façon aussi dictatoriale, évidemment, que cet accord est passé sans, mais pas en notre nom, en tout cas pas en mon nom. Je tiens à le préciser. Cette vidéo, je la fais comme je la sens. À l'annonce de cette normalisation, j'ai eu honte d'être marocaine. J'ai eu honte et j'aurai honte maintenant de dire je vis au Maroc et je suis marocaine. J'ai honte parce que c'est un poignard en plus qu'on plante dans le dos des Palestiniens. J'ai honte parce que c'est Lejnat el-Quds, le président de Lejnat el-Quds, qui a décidé de normaliser. J'ai honte parce qu'on fait fi de 100 ans de guerre, de génocide contre le peuple palestinien et qu'on n'a aucune possibilité de démontrer qu'on est contre cette normalisation. Voilà, donc je partage cette vidéo comme vraiment je le sens. J'ai eu très mal, j'ai eu honte, je me sens humiliée. Je voudrais ici dire à ces sionistes qui nous regardent, ou en tout cas qui me regardent, c'est pas en notre nom. Cette politique est une politique issue d'une dictature. Aucune consultation. Même le gouvernement qui se dit pro-palestinien et qui nous soutient des fois dans des actions, même eux n'ont pas eu le choix. Donc sachez bien, sionistes, sachez bien, tous les dirigeants, c'est pas en notre nom. D'accord, vous allez nous l'imposer comme vous imposez toujours tout, mais c'est pas en mon nom en tout cas. En tout cas, c'est pas en mon nom. Toute ma vie, j'ai lutté contre cette normalisation. Pas de normalisation avec des fascistes, avec des sionistes. Et s'ils viennent, qu'ils sachent qu'ils viendront, mais malgré nous, c'est honteux. J'ai honte aujourd'hui de ce jour. Je marquerai ce jour comme une Nakba pour moi. En tout cas, je pensais pas le vivre. Je pensais que j'allais mourir bien avant de voir ce jour-là. Malheureusement, je le vis et je m'y attendais pas, même si officieusement, dans la traîtrise et dans la sournoiserie, il y avait des échanges avec l'entité sioniste, on se le cache pas, mais comme ça de façon officielle, annoncé comme ça au monde entier et passé dans les chaînes israéliennes comme cet accord, je suis vraiment dégoûtée. Donc je partageais cette vidéo et dites-le haut et fort, moi Saadia Elwalous, je refuse cet accord, moi Saadia Elwalous, je vais à l'encontre de la décision du roi Mohamed VI dont je me détache complètement. C'est inadmissible et qu'advienne ce qui adviendra, je refuse cette normalisation. C'est une honte pour nous Marocains, vraiment une honte. Vous n'avez pas le droit de nous faire subir ça. Jamais, jamais l'entité sioniste ne sera l'ami du Maroc ou l'ami des Palestiniens ou l'ami de qui que ce soit sur cette planète. C'est un mal absolu et il n'y a pas de normalisation avec le mal absolu. Donc moi je voulais le dire clairement, je me désolidarise complètement avec cette normalisation qui est une honte éternelle. Et ce 10 décembre 2020, je m'en souviendrai toute ma vie, et vous devriez aussi vous en souvenir. C'est lamentable, c'est une catastrophe.